jamais été le plus rapide, j'ai jamais été le plus talentueux, j'ai jamais été le meilleur, j'ai jamais été le plus fort non plus. Puis je réalise aujourd'hui que tout ça est encore vrai. Puis ma plus grande qualité, peut-être simplement d'avoir la flamme bien allumée, puis toujours y croire. Mon aventure a commencé en juillet 2021 sur le chemin de Compostelle. J'y ai mis les pieds à un moment creux dans ma vie. J'étais tout simplement pas la meilleure version de moi-même. Puis à ce moment-là, j'ai aucune idée de où je vais m'arrêter. Je connais juste mon point de départ. Puis je me promets de faire mon mieux chaque jour, tout simplement en mettant un pied devant l'autre à chaque matin. J'ai marché au final 24 jours, 700 km. Et je me suis découvert une forme de persévérance. Je n'ai pas de misère à dire que c'est probablement l'expérience qui a eu la plus grande influence sur ma vie. En décembre 2021, je me suis retrouvé à aller dans un voyage au Guatemala. Puis par pur hasard, j'ai rencontré un Français qui voyageait lui aussi. Il m'a parlé d'un volcan qui est en activité et puis il m'a suggéré d'aller faire la randonnée pour en faire l'ascension. Je me suis retrouvé à mettre les pieds sur mon premier sommet de 4000 mètres, le volcan Acatenango. Puis c'est peut-être un peu là que je me suis découvert une passion pour explorer les hauts sommets. Quand je suis revenu de ce voyage-là, j'ai simplement eu un vieux rêve de jeunesse qui a rejailli. Puis c'était de monter le mont Kilimanjaro en Tanzanie. À mon retour, en voyant un post à propos du premier marathon de Drummondville, j'ai tout de suite su que c'était l'entraînement qui allait être mon test. Ce que je sais que j'aurai comme récompense, le Kilimanjaro qui m'attendra. Je commence à courir tout simplement trois fois par semaine. Puis que j'ai commencé à me faire un lien d'amitié avec des gens qui caressaient les mêmes objectifs. J'avais pris l'habitude de courir, puis je me suis lancé comme défi quelques semaines après de refaire un marathon, un des plus difficiles au Québec, celui de Magog. Puis je me suis prouvé à moi-même que j'avais pas nécessairement besoin de l'énergie de la première fois pour réussir un marathon. Peu de temps après, je me tenais au sommet du mont Kilimanjaro après une semaine d'effort. Au lieu d'être une finalité, le sommet du Kilimanjaro a été le début de cette envie-là de monter des montagnes. Au Kilimanjaro, j'avais été inspiré par le livre de Gabriel Filippi, dans lequel j'avais découvert le mont Aconcagua, la plus haute montagne en Amérique, qui domine la cordillère des Andes en Argentine. Puis quand j'ai réussi le Kilimanjaro, bien, cette montagne-là est devenue un projet. Je me suis remis un peu en question par rapport à mes ambitions. Je continue à courir, puis à ce moment-là, j'imagine un peu la fin de cette grande aventure-là. Puis je me dis que ce serait cool en finissant par faire un Ironman, en pensant que ça allait être le plus gros défi de ma vie qui m'attendrait dans un an. Puis je me suis donné le défi de faire deux marathons espacés d'une semaine. C'est là que j'ai couru les marathons de Montréal, puis le marathon du Petit Train du Nord. Ça m'a servi de préparation à une expédition que j'ai faite en octobre 2022, de faire le camp de base du Mont Everest, suivi de l'ascension du mont Lobuche East Peak, un sommet de plus de 6000 mètres qui allait être ma première expérience en mode alpiniste avec des crampons puis de l'équipement spécialisé. C'est donc de cette façon-là que je me suis retrouvé avec un groupe de trois Québécois puis un Français à faire le trek du camp de base du Mont Everest. C'est là que j'ai vu le Mont Everest pour la première fois, étant complètement bouche bée devant l'immensité, l'envergure de cette montagne-là. J'arrivais pas à comprendre comment les gens pouvaient avoir idée de gravir une montagne si impressionnante. Après ma première aventure au Népal, je me sentais beaucoup mieux outillé pour faire l'ascension du Mont Aconcagua. Cette expédition-là a probablement été la plus marquante, parce que lors de la première tentative, on a fait face à des conditions extrêmement difficiles, puis on a pris des mauvaises décisions. Si bien que
on a dû rebrousser chemin à 200 mètres du sommet, puis qu'on est redescendu bredouille au camp de base. 5 jours plus tard, on est reparti, puis on a atteint le sommet du mont Aconcagua après notre deuxième tentative. Ça a été là pour la première fois que j'ai réalisé que j'avais peut-être les qualités requises pour atteindre les plus hauts sommets du monde. J'ai pensé à l'Everest pour la première fois. J'ai conservé ce petit secret-là pour moi pendant un moment. À mon retour, en février 2023, c'est un peu là que je suis passé en deuxième vitesse. Je me suis inscrit à la traversée du lac Saint-Jean en course à pied. Puis j'ai pris mon courage, puis j'ai décidé d'entrer en contact avec Gabriel Philippi. À ce moment-là, Gabriel me dit que je dois faire 2 grosses montagnes. Je lui parle de mon intérêt pour le mont Denali en Alaska. Il me propose de faire l'ascension d'une montagne de 8000 mètres, le mont Manaslu, avec lui à l'automne qui viendra. À ce moment-là, j'ai une détermination sans faille. Je pars à la recherche d'un entraîneur pour améliorer ma condition physique. C'est un programme d'entraînement rigoureux qui commence. Je pars avec 3 amis faire la traversée des présidentielles au New Hampshire. On parle de 7 sommets, 2700 mètres de dénivelé, une 30aine de kilomètres dans des conditions hivernales en une seule journée. Je poursuis par la suite au mois de mai, tout juste avant mon départ, avec le marathon d'Ottawa. Puis j'ai réussi l'objectif que je m'étais fixé de faire un premier marathon en moins de 4 heures. Quelques jours après le marathon d'Ottawa, je m'envole pour l'Alaska pour monter le mont Denali, la plus haute montagne en Amérique du Nord. Cette montagne est reconnue pour être difficile, avec un climat capricieux, puis en ayant la difficulté d'avoir aucun porteur. Chacun doit traîner à l'aide d'un traîneau, toute sa nourriture et tout son équipement pour les 3 semaines que dure l'expédition. On a travaillé fort, mais la météo ne nous a jamais laissé de chance dans notre fenêtre d'opportunité pour tenter le sommet. Les dangers et les risques d'avalanche ont fait en sorte qu'on a dû rebrousser chemin tout près du camp 4. Pour la première fois, je vivais la déception de l'échec. Avec le recul, c'est probablement la meilleure chose qui me soit arrivée dans mon apprentissage. Ça a été une belle leçon d'humilité où j'ai appris à gérer mes émotions puis au final à réaliser que la montagne sera toujours là pour nous attendre une prochaine fois. À mon retour, j'étais loin d'être découragé. Je regardais plus en arrière, mais seulement en avant. Puis en n'ayant qu'un seul objectif en tête, mon Ironman, qui était devenu non pas une finalité, mais la préparation au défi qui m'attendait, le mont Manaslu. J'ai enchaîné les entraînements de nage, de vélo et de course en m'accordant une journée de repos par semaine. J'ai jamais manqué une journée d'entraînement. Aux vacances d'été, je suis allé chez de la famille m'entraîner dans les montagnes de la Colombie-Britannique. Quand je suis revenu, j'ai participé à la dernière édition du Ironman à Mont-Tremblant. Puis j'ai complété les 3,8 km de nage, 180 km de vélo, suivi d'un marathon de 42 km en 11h45. Je me sentais en confiance pour le défi qui m'attendait au Népal, le mont Manaslu. Je savais à ce moment-là que la réussite ou l'échec du mont Manaslu allait être déterminant dans la décision que j'allais prendre pour gravir le mont Everest. J'ai toutefois réussi à rester dans le moment présent, appréciant chaque moment de cette aventure-là, puis en gardant une attitude positive en tout temps. Puis après plusieurs semaines à faire des rotations pour s'acclimater à l'altitude, j'atteins le sommet du mont Manaslu avec Gabriel Philippi et 2 Sherpas le 20 septembre 2023. Lors de la descente, j'avais du mal à réaliser ce que je venais d'accomplir. Un petit cul de Romanville qui avait parti de rien, commençant à marcher un pas à la fois sur le chemin de Compostelle. À mon retour au camp de base, ma décision est prise. Je sais que je partirai graver le mont Everest le printemps suivant. Puis quand je reviens au Québec, j'annonce mon association avec Opération Enfant Soleil, puis la création d'une campagne pour amasser la somme de 100 000 $. Ça fait tout juste une semaine. Gabriel m'explique qu'il participera au ultra-trail de 160 km à Bromont
puis me demande de parcourir les 50 derniers avec lui. Ça devient donc le début de l'entraînement pour l'Everest. Ça en est suivi une participation à une course de 32 km au Défi de l'Aube à Drummondville. Je continue à courir en novembre, puis je complète mon année 2023 en courant le marathon de West Palm Beach en Floride avec quelques amis. En janvier, au retour des vacances, je commence un plan d'entraînement rigoureux qui s'avère être la préparation finale pour le Mont Everest. Je m'entraîne comme pour un Ironman et à chaque week-end, je pars avec des amis faire l'ascension de quelques montagnes au New Hampshire dans les White Mountains. Comme vous avez pu voir, à travers ce parcours des deux dernières années, de tous ces voyages et de ces accomplissements sportifs, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont tous eu une influence puis un impact sur mon parcours puis sur la personne que je suis devenu. Puis avec le recul, je regarde en arrière, les amitiés que j'ai créées, c'est probablement la plus belle chose qui me soit arrivée.